RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Un cabez officiel, votre support d'information en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, merci de revenir encore sur notre chaîne. Surtout, nous allons partager le lien à l'émission Nabiso. Nous allons liker, nous allons commenter nos émissions. Merci. Nous allons partout. Nous allons partager la. Biso, nazo senga na bandeko, bazana ba million, na ba milliard, ba tota katolo, ke bandeko na biso, baza ba déplacé de guerre, ba zali vraiment ko leka na ba situation moko inhumain, ndeko moko a filmé, image moko a tinde lingai, ndenge, ba na mike, surtout ba nande, ba salingai pas, na monen ndeko moko ya mwasi a keiko a. Asunga bango a ndenge bala na balanda kopo na potopoto ma monsieur Tanginga basale ni ses anges de Dieu qui n'ont rien fait hein ma bena bango nini kubota ma congolais hein ba bazo kabola pouvoir ba tout mususu ba bazana ba intérêt ba tout mususu mais vous laissez ces innocents qui n'ont rien fait du mal que kubota ma congolais. Et c'est très grave. Et quand je vois Bandeko Moussousou ya Est, Ndenge et Loba, Mbosoke, même Baye Babengem, le voilà, ba député, ba représentant ya peuple, Bazana, ba groupe armé. Et puisque Bazana ka Ndenge Nini, est-ce que Bazana ba image yo, ba katabango moussisa ya mawa? Et bah Santa Kango n'est pas ce que bah na bango même pas ricoché moi na ya noko tout ça comment tout go longona etawana ya ki humain c'est très grave ce que ces gens font à l'est je pense que le Dieu qui est juste où y a chaque confusion na kan ya ba ennemi il le fera pour na Bato yobaza batomabe, je ne trouve pas de mots qu'il faut tomber ta. Le solo pour na bango bande konangai mais beaucoup de courage na bande ko nzamba batela alors bao baza na bambongo soki ba dollar bivo soki ba pesa ka ba kombo ebele et le grand temps sumba ba muspo ba muso bazola la tina mabele j'ai vu des images je manque les mots donc il faut vraiment Koluka ndenge nini zapas. On va voir comment c'est que ça va donner. Mais on est de près et pour na kota yango. Tokobeta li solo na makamu kagama na sali na goma. Donde konangai bazo exploiter kaka kote tout ça faible. Pour ba congolais ba ba tout attends moni a telemi a fandi. Non moni ki mususu. Chaque année, il y a des bouteilles. Il y a des Canadiens, des Suisses, 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 Bakangi na ba makambo ebimi awa bandeko ya ensemble ba député ya ensemble pour la république na makambo ya ba rebelle ya ba rwandais parti na bango pays bimi pour na réagir nous on se faire partir na montir ya ba élément toko développer awa vraiment et cause à la très 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 bien l'émission le lobo partagé lien à émission Oyo Augustin Kabuya il a tranché
na mayamatali rimer oezalaki o eske IDPS a copé sa primature à l'obiboy. La primature va revenir des droits à l'IDPS. Le président de la République m'a rassuré. Je vous avais dit que si vous revenez avec la majorité, je vous donnerai la primature. Je vous demande d'être discipliné pour que le chef de l'État nous donne ce qu'il a promis. Wana Augustin Kabouye Lobi Asalaki, Matine Moko, Naba combattant Nabango, Nalimete, et il a dit clairement, sans mâcher les mots, que Ndenge Makambouzo Kende, Ndenge Forme Makambouzo Tamborela, Zamakambouya Lubilu Nonwant, Tomoni clairement que IDPS Montoa Kozoa primatier, selon Augustin Kabouye Tango Bazo Kende l'élection. Président Emseki Ekboy, ce qui boye na majorité, boye bake bokozwa primature. Donc, ils ont sous makambu ya kotuna, au primature wapi, en tout cas primature, et kokende na IDPS. Bon, namouni bazo tangaka tangaka bakombo wana ebele, moi je ne peux pas kondiomati et teni longondo moto ya makambu ya COVID, azana kati. Bon, le justice est ça qui est déjà Mukaka Soba Sorola qui est na l'ignoka, Aza innocent. Alors, Bazo Tanga Yen, Bazo Tanga Liao, Bazo Tanga Eboma, Bazo Tanga Pe David Mouke Bakalengai, Aza conseiller aux infrastructures, il y a président de la République et l'expérience aussi, Oyaza Nango, Batebele, Bazo Tangama. On a primatif, bon. Voyez bien, même avant Batanga informateur, mais avec Jacqueline Chabani, quand on a des réseaux sociaux, informateur, Tanka, Mokato, Augustin Gabouya, Montabumaki, dont le reste, et Zabarimer, il y a réseaux sociaux, Oyo Penza, Tokoki, Kondima, Yango, Té, Topé, Kolandela, Yango, Té, Touzela, ce qui va se fermer, Augustin Kabouya, Yemoko, Nangambo naye alobi akosa la premier vice-président na niveau ya assemblée nationale. Donc le nouveau Kabund lui va remplacer place à Kabund wana talaga soplenwe moya azala pe wana ubakangi elenge moko bwaza na teli ya ba policier soki kulun rati teli bakangi e pa balobi yo oza policier ote kasi plate teni ponani o na la taki kaka. Nous avons des bacons de bayoga. Et pas comme nous n'appelons soit pour un yoga, non. Dingue Kabunda, yoga qui donne Augustin Kabouya à l'obi à cause d'un appel sa premier vice-président. Il y a Assemblée nationale, président et Assemblée en tout cas. Et Yébanité s'attire dans tous les sens, tantôt Kamere, tantôt Mbosso. Donc, Ezoye bananangote, lubilu nonwant, mutuna mutu. Nangambu na ye, tumona ndenge, makambo, mako, tambo la paske TV, ezali a radio te. Donc, batuna batu bazali ko, kutala ba intere na bango, na moma oyo to, zali koloba me, koshema pona est République démocratique du Congo, et aussi la cacate parce que le parti au pouvoir au Rwanda, le Front Patriotique Rwandais, FPR, a désigné samedi le président Paul Kagame comme son candidat à l'élection présidentielle du 15 juillet 2024 par un probable quatrième mandat de 7 ans. Donc, quand il gagne un chonchon, il y a besoin de l'ébisolissus pour encore 7 ans. Na Ibonga. Il y a cela qui a été 9%. Présent, il y a 9%. Donc, il a voté et il y a 1% de Rwandais. Il y a une opposition. Ce qui est opposition, pas opposant à la numéro 1. Il y a un côté de la boue. Et il y a un côté de la. Donc, il y a un côté Alléluia, Amen. Alors, ma campagne, on a un peu de temps. Le solo, dans mon colo, il y a les lois. Alors,
vous partagez les liens de cette émission, vous gagnez sur Bozali, vous likez en haut. Nous nous allons revenir maintenant pour commenter. Tout bande d'abord, le système où ils ont comme ça, ils sont bandés. Quand on a fini la stratégie, pour mon imbo, bagayan ka guerre kaka tena mando gete guerre bo gagnan go pe na stratégie yango mona ba infiltra biso grave nde ba yebisi yo o aldir ki sega ya zoya nango nous risquons un jour que armée ya Congo e ya nini rosala ke ti sega di aboya kaka ko négocier na biso. C'est que ça n'a pas généré mon coboye au bazar déterminé. Vous avez vu que même tant que Bakangi, Baton, Akuchela, Bino, Awa, Ba député, Yakatoum et les autres, certains colonels qu'on a proposé beaucoup de millions qui a refusé mon toit dénoncer Bango. C'est que Gama a compris, Baton, comme il y a une conscience, mon co. Lobby na système à l'objet du non-noir, pour comment on a ba bougi biso, ba yeb attaqué biso. Parce que si Kagame échoue, y a qu'obtenir dialogue, et que par les armes, armée na biso est renversée, ni n'y a qu'au sala, et qu'au sala que Kagame a zada affaibli, pe régime na ye et kokoya. Bon, monique, parti na ye au pouvoir, et wen ici, et zuye candidat, pour briquer mandat il y a 7 ans de sous. Alors, mes colonnes à Kotanga, ils ont comme mouqué. Surtout que sur le plan international, ce qui est maintenant, même les vrais alliés sont hypocrites, bien que les bombes, mais ils ont comme une difficulté à combattre les sous. Il y a un peu de diplomatique que notre gouvernement a sali. Na accord militaire avec la Russie. On a un système à l'oubli non non. Mais on a un. Alors les États-Unis et les autres ont compris que non, rapprochement du Congo avec la Russie et qu'on vraiment pour ça la Bango Mabé. D'où, pour la Bango et Sengeli, ça la peut sembler à l'hypocrisie, mais ça a un peu retiré Batnaye. Alors en ce moment, le problème est cause à la Makasse. Il a commencé avec les Rwandais, bah Rwandais, bah Rwandais. Alors, à mon égard, ils ont simbaté. Ils ont dit que les Congolais, ils ont compris la bangona Kabila, ils ont tout à l'heure, ils ont dit que les Congolais, comment ils ont fait la toile. Moninanga Kei, Mamba Kei, garçon ou Kabila ou Amina ou Nani, Adam Chalwa Kei, mais ils ont dit que les Congolais ont fait la toile. Alors, tout cela, et comment on dit ça, Paul Kagame? Il comprend maintenant, allez, tu sais que tu as un ango, et ça m'a dit. Parce que, ce que tu as un président Moussous, mais il va négocier. Et il y a un dakala, il va se comme par exemple, oh, Bissoba Tuyaboy, oh, Acha Mani, Umoja, oh, mixage, ce qui brassage, tiens. Nyon soa na kaka na logique ya kolokandeni ya ko déstabiliser Congo. Alors, quand bango bazwa kata ya ko réfléchir na système na bango ya mabe basine ba bisiga bisiga gamma oh. Mais moyen peut to kozwa ba généraux wa. Et ça simple. Ba congolais balinga ba mumi. Mutu moko komelanga le ka mwana négligé ya mwana ah. Quand on a vu une préparé Banabasi, Bapakoli Bango, Nini, poison à mettre à ma bête. Est-ce que vous êtes là? Et puis, Bamoussou, Batindi Bango, Bazana maladie à Sida. Tout le monde pin de Bango, quand on a généreux, Bazaya, Picoan. Soit les qui vraiment, tu as la grande basala comme, quand tu as un peu, 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 tu as 40 ans, 50 ans, tu as un coupé, tu as 8 ans. Tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu. Je vois que tu as un général de brigade, tu as un peu, 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 tu as un peu,
bah au besoin mon amour bah maman on a buto ça na kilo tu as battu na bed qu'est-ce qu'on a blagué te bah métier quand on t'a beau chichi si vous avez une stratégie na bango quand j'ai ma kindi bango quand on a relé ya batu na ye bazueli bango ndako de ma camionnette son attaque. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la info. Dans ce monde, je ne sais pas si je suis en train de me faire frapper au fenêtre. Mais, il y a une frappe de info. Bon, côté, il y a le lobby où il y a des sources. Il y a une rupture de Kokoma. Bongo, il y a une ringette. Beaucoup de temps, tout est. Plein. Comme quand les Congolais paient, ils ne sont pas en train de se faire. Ils frappent à sentir, ils ne sont pas en train de se faire. Et ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils frappent, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Na tu kotoyo bien sûr les frappes bien mais na moni danger ezali kagama changer le système atinde les ko biso ba kamikaze na kati ya Goma yo na tonagi muto na lobi hein ba oyo Gilbert Kankonde ya kida bango awo est-ce que bango nyonso bazongi. Parce que Bazonga n'est pas un bousso qui basali. Bakonzi n'a pas un bousso qui n'est pas un bousso. Eh, on a signalé. Basolda baya boy. Maman n'angaye. Bakout talanda. On a ce qui donne les sabins en gomme à break. Talande baton du kuna. Bakongole. Débarquer bango et beaucoup donc ça veut dire bâtir du moins si à sida ou y'a pas qu'il est qui non général ou y'a ça jeune hein et les gosses n'ont plus fou dans 10 ans à cause de la mission babé na Rwanda toi faiblir et d'abord sur le plan y'a santé sur le bas sur la tester côté la bango na sida l'aller m'injecter mango allez-y comprendre. Comment Mboka, Kagame, Yokaba laboratoire, Nebongo Bisso, Bisso Kako Yiba, 15 millions. Quand les autres réfléchissent, comment Bakocha Bisso Nassé, ils ont compris que non, l'actuel président, volontaire Zanango, Nalolenga Zokende, si on continue comme ça, dans 10 ans, dans 5 ans, donc ça menace, tout le monde sera une méthode Yassik, tout le monde sera une. Est-ce que Bissopé, Toko Fan, Dakate, tout réfléchir que nous avons un grand pays, comment on peut faire pour anticiper? Nous avons été pestés à 40 milliards. Donc, mais nous, quand est-ce que Toko Zopé tant, hein? Il y a coïncidé très peu. Nous avons dit que nous avons été pestés à 40 milliards. Nous avons dit que nous avons été pestés à 40 milliards. Oh, guerre, les guerres à quartier, ils ont un peu de ethnie, oh, il faut bailler au canal. Bisso kaka distraction, bisso kaka ba futilité. Mboka besoin filtré, bino, besoin qu'il y ait un canal, bino besoin fongo, la camille saute. Ils ont un peu de passe la yaman. Donc, nous pensons que, pour barrer Bangol de la méthode, oh, coup de chapeau, n'a congolais qui est là qui frappe. Mais, à frapper, je ne sais pas, parce qu'à frapper, qui n'a pas eu de battre, la soeur de Ngeni. Mais ça frappe, tant que tu frappes avec les Ngiwana, tu es un peu de Bounagan. Il y a un commandement état-major dans le but de tété. Frapper, oui, mais il y a un peu de travail. Il y a signalé, il y a un peu de Kangi, il y a un peu de Bango. Pas de Bango, tu es un peu de. On suit ça, on revient juste. Après. Wow.
Rwandais sont à nouveau tombées dans les filets des services de sécurité. Elles étaient une vingtaine, ces femmes des mœurs légères, retrouvées dans les maisons de tolérance qui ont été présentées ce vendredi au maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin. L'autorité urbaine attire l'attention de ses habitants sur les dangers qui représentent ces femmes, non seulement en matière de sécurité, mais également sur le plan sanitaire. Les On a fonga ba prostitué ba ba ndumba on a toqué Rwanda parmi elles kuko benye versha kugonjwa malaria sida avec preuve à l'appui manake tunaomba kwa DGM na parquet ba fanye kazi ba m'expulser jamais ba rudie tena hapa kwetu Kongo kwa wababa. Wakati banenda kuingia ma ile ma maison de tolérance njo mule tulipata baba na mke. Whisky ya ngufu. Bana fume chanvre nye tuna détruire hapa. Ma drogue ya kupishana. Alors, wanamuke wale wanasema ku Kongo kuko maisha. Unapata mwanamke unaona tu maungu. Signalons qu'il y a plusieurs mois, une vague de femmes prostituées rwandaises avait été rapatriées dans leur pays. Les femmes prostituées de nationalité rwandaise sont à nouveau tombées dans les filets des services de sécurité. Elles étaient une vingtaine, ces femmes des mœurs légères, retrouvées dans les maisons de tolérance qui ont été présentées ce vendredi au maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin. L'autorité urbaine attire l'attention de ses habitants sur les dangers qui représentent ces femmes, non seulement en matière de sécurité, mais également sur le plan sanitaire. Les On a fonga ba prostitué ba bandumba. On a toqué Rwanda parmi elles kuko benye versha kugonjwa malaria sida avec preuve à l'appui. Manake tunaomba kwa DGM na parquet ba fanye kazi ba m'expulser jamais ba rudie tena hapa kwetu Kongo. Kwa wababa. Wakati banenda kuingia ma ile ma maison de tolérance njo mule tulipata baba na mke. Whisky ya ngufu. Bana fume chanvre nye tuna détruire hapa. Ma drogue ya kupishana. Alors, wanamuke wale wanasema ku Kongo kuko maisha. Unapata mwanamke unaona tu maungu. Signalons qu'il y a plusieurs mois, une vague de femmes prostituées rwandaises avait été rapatriée dans leur pays. Oyo boyo ki eza muke. Me tolanda ka même Israël Mutombo. D'ailleurs, na suka na ko présenter, il fête son anniversaire aujourd'hui à la fin là. Tokoyembe là, c'était un ami, un frère. Mais Israël Mutombo fait aussi des révélations. Oui, il fait des révélations. Na makambo ezoleka. Na est la République démocratique du Congo. Il fait des graves révélations. On est si c'est vrai. Et puis pourquoi quand on donne les informations, il y a des Congolais sur le Rwanda qui cherchent toujours. Mais ça peut pas Congolais. Peut pas Congolais. Pour y en essayer, ne peut pas faire ce que nous faisons. Le sacrifice que tout à l'heure vous éveillez conscience, à Batébélé. Et tu ne sais pas ce que ça nous coûte pour produire des émissions. Oui. Ça vous me conseille peut-être quelques informations, toujours dans ma Kambouya Est, pour l'Inde d'Israël, on revient juste après. Comment est-ce que ça va se passer pour retourner dans l'État Kangi Bangondengenin? Je vais vous donner la petite histoire liée par rapport à travail on a la sali, on a défendre. Je vais vous donner. Vous allez voir un monsieur qui est un colonel. Comme on a eu Salomon Balingeri, Azapé Natedi. Azali colonel officiel était dans Mboka na biso. Na base de données à FRDC, ce monsieur n'est pas colonel. Azali soda ya mulongo. Azali soda ya mulongo. Na base de données na biso, ya République démocratique du Congo, ce monsieur n'est pas un colonel. Il s'appelle Salomon Balingeri. Le monsieur... Au moment où colonel n'a tenu à FRDC, Azali na M23.
Teni o ya zoeli yango na M23. Bagrado ba PCP zali ya M23. Na mboka na biso. Ba yebi ete lokola colonel azali soda ya mulongo. Maintenant le monsieur était en formation avant à rejoindre M23. C'est un élément ya FARDC. Azala ki awa na République démocratique du Congo na Kinshasa. Le monsieur était en formation. A kena formation officielle. Ya mboka batindi bango na formation ba soda ba kei. Basali formation na bango koto ya Congo central normal. Basili si formation. Quand il est revenu ici, le monsieur a été recruté. Et pas ya député ou ya liboso na talisimino. Ou na lobi kombo na ye honorable Kibuya Sabini Ope. Ye mouta recruté ki soda ou. Azagi ka soda ya mapeka. A recruté ye, tango a convaincre ye, soda ye goma, pati a goma, le petit ou a kumba kamoto a zuya memi ye, ti place ba M23 bazali, moussala na ye bandi normal, kuna ba yambi ye loko la roi, ba pesye na ba pete ba komisye colonel. Maintenant, na kati a formation, loko la ebi gazalagi na ba kamarade moussou na kati a formation, bazolu ka nenge nini ba koki ko tante, ba kamarade wana na kati a formation. Bande konangaye, bravo na ba service à l'État. Na bwa keli bango ba fleur. Qu'est-ce qui va se passer? Ba service ya l'État, na intelligence na bango, na principe pa pour arrêter un criminel, il faut se faire criminel. Ba injecter quelqu'un, ba zui un colonel de son État, le vrai colonel na État na ye, ba zui colonel moko oto tanga kombote, ba tche en contact na motoyo. Mais ndenge nini salamaki? Parce que le monsieur ici, le et bien, ça la formation officielle à l'État. Naba colonel. Abengi colonel pour Luka. Amega ko tante colonel soki ko kipe ko rejoindre bango. Alors le colonel patriote on a zako kumisa na ko bwa ke la ba fleur na boy ko la ki sa photo na ye, c'est lui qui va entrer en contact na ba service à Pessi Topo. Tango Pessi makamunyoso ba servir ba service d'intelligence na bango ba bandi ko sala musala. Ce que Basali Moussala, Bazui jeune garçon, Ozo Monoyo, Oaza faux colonel, Babani go travailler moral, Ngaï Pena Lingina rejoindre Bino na M23. Ok. Ma service, ma tcheba moyen, les garçons et le monsieur qui est colonel, le vrai colonel, va se rendre quelque part. Quand il sera sur invitation à moto, parce qu'à tout le monde, Naza d'accord, na lingina kota M23, mais na koko makuna ndengenin. Le colonel ici a Bengi, a lobi non, soyez calme. Yo luka ko baka kana goma, so komi na goma, biso to samusa. Bato a goma boza la prudent. Population a goma boza la prudente. Ba motocycliste. Ba taximen. Ba na misala. Bato baza la frontière, baza na aéroport. Vous devez faire très attention. Ba service ba tche maele. Batindi Mutuana, le vrai colonel, a se retrouvé sous prétexte que aye poakotana M23. Les messieurs que vous voyez, les députés, parce que le colonel posait la question, soit il a commis la goma, soit on a route en anane. Le faux colonel ici va dire au colonel, soyez calme, quand tu vas arriver, quelqu'un va te recevoir. Batusugo va recevoir les alliés, les députés, Kibuya. Le député ici va recevoir le colonel. Voilà, j'espère que on a bolandi Israël Mutombo où il y a pèsi quand même suite topé chronogramme ya Babilo Kwango ndenge ezaleli. Mais na bango mususu armée, notre armée va bien expliquer le détail na provenance ya ba député wana. TV za radio télé. On suit ça, on revient juste après. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour semer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République. Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause
de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon des quatre complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, de Nord-Kivu. Deux des quatre individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord-Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le troisième est un moto-taximan à leur service et le quatrième est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord-Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord-Kivu, et acheminé Manu Militari à Kinshasa. Il s'agit de, si je vous appelle, vous avancez, Kibuya Sabini Bob, celui l'homme orchestre, celui le plus grand réputeur, nous en revenons là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés les moments opportuns. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le quatrième, c'est Mungia Mafukulo Cyril. Le cinquième individu, originaire du Sud-Kivu et arrêté à Goma, lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Voilà, j'espère que Mme Bolandi est allée armée, est allée charger le parti à Moïse et Katumbi. Mais le parti de Katumbi, est allée au Boya Likambouana, est allée rejeter en bloc TV et Radio T. Pour que tu équilibres toujours, tu es gagnant. Boyo, secrétaire général, et ensemble, ce qu'il pense, Namakambo, qui est parti pour les Rwandais. On suit ça. Présenté au public à Goma. Depuis novembre 2021, les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais et leurs autres complices, agressent notre pays au Nord-Kivu, comme de nombreux autres acteurs. Ensemble pour la République et son chef dénoncent et condamnent cette ignoble mésaventure, comme nous l'avons fait dans le passé, notamment devant RFI France 24 en décembre 2022, à Lubumbashi en janvier 2023, à Goma en décembre 2023. Nous rendons hommage aux vaillants combattants des FARDC qui se battent avec courage et d'énormes sacrifices
face à ces périls qui menacent l'unité et l'intégrité de la RDC. Nous ne cesserons jamais de plaider que le gouvernement leur consacre plus de ressources pour mieux les motiver, les équiper davantage et leur assurer des formations plus adéquates. La sensibilité et la compassion de notre leader, Moïse Katumbi Chapo, à l'endroit des populations qui subissent les affres de cette guerre, l'ont déjà amené plus d'une fois à mettre la main à la poche pour une assistance humanitaire solide en faveur des sinistrés. Nous appelons tous les Congolais épris de paix et en situation d'agir au devoir patriotique de solidarité avec les familles victimes d'atrocités et de traumatismes dans cette partie de notre pays. À l'occasion de la présentation à la presse des personnes présumées coupables de complicité avec les M23 et traîtres de la cause nationale, le vendredi 8 mars 2024, les propos du général Sylvain Ekenge Bomoussa, porte-parole des forces armées de la RDC à Goma, mettant à l'index le parti Ensemble pour la République, ne sont pas passés inaperçus et appellent de notre part quelques observations pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Ensemble pour la République, parti politique créé le 19 décembre 2019 et reconnu ou enregistré par le ministère de l'Intérieur le 20 novembre 2020, ne pouvait pas avoir de député en 2018 puisqu'il n'existait pas. Monsieur Alain Alyongera a été fait député provincial en 2018 dans le siège d'un élu du parti AARC de FCC, qui lui a laissé son siège provincial en territoire de Walikale. Il n'a jamais eu de lien avec Ensemble. Notre parti est cité dans son cas pour des raisons incompréhensibles. Soit c'est clairement avec l'intention de diaboliser et nuire à notre crédibilité, soit notre armée est mal renseignée et ce serait très grave en cette période de guerre. Quant à M. Ope Kibuya Sabine, élu député provincial du territoire de Rutshuru sur la liste du regroupement politique MS aux élections de 2018, aucune certitude n'établit qu'il se serait présenté sur une liste d'ensemble comme les élections de 2023 n'ont pas eu lieu dans le Rutshuru, étant donné que d'autres acteurs politiques issus de la même souche que lui ont opté pour d'autres organisations au moment de la compétition dans leurs fiefs respectifs. Nous apprenons par ailleurs que d'autres personnes arrêtées dans cette opération, qui sont membres avérés de certains partis politiques de l'Union sacrée, ne sont pas présentés au public avec leurs organisations d'appartenance telles que AVRP, BUREC et autres. Il ne saurait y avoir de bons et de mauvais traites pour que certains soient tués et d'autres dénoncés. Il n'y a pas longtemps que nous avons suivi le passage à la rébellion d'un haut cadre issu du MLC. Les autorités de notre pays n'ont pas étalé les MLC sur la place publique ou tenté de les livrer à la vindicte populaire. Les forces armées, qui sont l'ultime rempart de la nation, ne devraient pas céder à la tentation de jouer une quelconque partition sur le terrain des cabales politiciennes et de la communication de propagande. En vertu de la Constitution et des lois de notre pays, un parti politique est une organisation dotée de la personnalité juridique. Il agit par ses responsables attitrés dans le cadre de leurs compétences statutaires. Les citoyens membres d'un parti non mandaté pour l'engager ont leur vie propre. Ce qu'ils disent ou les engagements qu'ils prennent dans leur cuisine et salon. Voilà, je crois qu'on a démenti à partir de Moïse Katumbi.
oyo ba zali ko croire ke ba propos oyo ba lobby po na bango ke ba député na bango baza na kati. Mais moi j'avais fait, je crois c'était le samedi hier, je vous ai fait une émission où je Nathalie Sibino ke banda depuis kala to mona ki comment collaboration zala ya entre Nanga na Moïse Katumbi. Donc c'est Nanga qui avait bâti campagne pour na Katumbi na Bakisangani et les autres. Juste coïncidence, on ne sait pas. Salomon Escadela, il a été arrêté toujours dans Makambo ya Rwanda. Mais est-ce que c'est que se fait aujourd'hui? Et ça, surprise. Parti Nabango, Enye et Yango. Un frère célèbre son anniversaire. Vous savez, dans la vie des hommes, vous rencontrez des gens et que Dieu vous envoie. Parfois mal compris, mais bateau baza sincère et honnête. Aza fruit hasard, aza fruit à travail. Veni de nulle part, bougie, et tellement à maïna misonango moko. Combatti, mais il est toujours debout. Lui, c'est Israël Mutombo, Sango Mokonzi, officier à permanence. Tata Malongi, nous te célébrons, mon frère. Oui, oui, ça ganga toujours. N'oubliez pas, Lola Ezali, enfer paix Ezali. Tout ça, la manso, la sena moi, toi, y'a que Lola Ezali. Donc, sango y'a bisoye wana, y'a congolais, y'a lingaka sango na bango, ngai medar kankolongo, ngai medar kankolongo. N'a souhaité joyeux anniversaire aux eaux mérités aux actes fierté nabiso les lots aux ans à l'écambo ya ko prouvé te ou la kessina mokili que moussala et fautak et kotoko ki kolongwana zéro koko mana héros ndenge yo aux années. C'est possible. Merci pour la motivation, merci pour l'amour, merci pour l'accompagnement. Joyeux anniversaire. To pese merci na mama oya beauté libiso d'abord mulu ba ya mwindu yewana beauté ce qui vraiment ba chérie ba tele boye frappe za pamba pamba mais ye azaka na mwasi moko sango mokonzi. Joyeux anniversaire. Merci mon frère. Voilà, de là on séparé na élément procès na biso boye bige ba kokata makambo na biso le 23 bo sambe la pona biso regardez. Et tu vois comment on a image Oyo. AFDCA, le commerce de AFDCA pèse contre ma participation. C'est ça le débat. Ok. Maître, vous avez la parole pour la partie référente. Merci de la parole, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le membre de la Cour, Monsieur le Procureur Général. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas des AFDCA. Il s'agit de M. Kankolomo Médard, qui a signé personnellement sa requête. Parce qu'il s'agit d'une contestation dans la même liste AFDCA. Et donc, Monsieur Kankolomo Médard confirme le terme de sa requête, sollicite de la Cour de dire recevable de cette requête au motif que son droit de la défense mais aussi sa liberté individuelle ont été piétinés par le regroupement qui n'a pas voulu lui donner le mandat pour saisir la Cour. Ainsi,
la cour ne va pas se contredire parce que en 2007, dans son arrêt RCI 024 du 21 mars 2007, la cour avait déjà reçu dans l'affaire opposant M. Mukakoli Sanga Jacques à Mme Janine Mabunda, la requête de ce dernier, du président, parce que privé du mandat de son parti politique. En faisant cela, la Cour va dire cette requête amplement fondée parce que M. Kampolomo Meda a obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste AFDC-A et que même quand on a confronté au sein de la Cour,